Je m'appelle Frédéric Amblard et je suis responsable de la filière risque opérationnel au sein de la direction des risques du groupe BPCE. Donc je suis dans le groupe BPCE depuis 14 ans. J'ai commencé à l'inspection générale groupe BPCE, puis j'ai rejoint la direction des risques, aussi bien chez BPCE Lise, chez Natixis et maintenant au sein de BPCE. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer de la correcte déclinaison des normes et du dispositif risque opérationnel dans l'ensemble des établissements du groupe BPCE. Donc cela regroupe plusieurs missions. Tout d'abord, le contrôle du respect des normes, puis l'analyse du risque. Et là, on va analyser plusieurs types d'incidents, que ce soit des incidents de fraude externe, des erreurs d'exécution. On va suivre la cartographie et les actions correctives qui sont mises en place au sein des établissements. On assure également la conduite du changement, et cela passe par la prise en compte des évolutions réglementaires, notamment sur le risque prestataire, le risque climatique. Et enfin, une grande mission consiste en l'animation du réseau de responsables risque opérationnel dans l'ensemble des entités du groupe. Et donc, on organise des conf-calls, des ateliers de travail, des réunions nationales où nous regroupons l'ensemble des interlocuteurs. Les risques opérationnels sont par nature une fonction transverse. Donc, on a de nombreux contacts avec les autres fonctions contrôle, telles les contrôles permanents, la compliance, les sécurités des systèmes d'information, la fraude externe, pour rapprocher l'ensemble de nos données. Les risques opérationnels intègrent aussi les risques juridiques, d'où des liens avec la direction juridique. Enfin, nous abordons une grande variété de sujets, notamment selon les évolutions réglementaires. Par exemple, en 2024, on va travailler avec BPCEHA pour l'évaluation du risque prestataire. On travaillera avec les équipes risques climatiques pour rétablir la cartographie des risques climatiques. Et comme nous couvrons l'ensemble des entités du groupe, nous avons comme interlocuteurs les responsables risques opérationnels des banques populaires et caisses d'épargne, mais aussi de l'ensemble des autres métiers du groupe, tels que paiement, assurance, société d'expertise financière, Natixis. Et dans la même journée, on peut être amené à analyser un incident de nature paiement, une fraude externe ou un incident frontière crédit. Et enfin, nous sommes aussi amenés à répondre aux questions nombreuses des régulateurs. Tous les semestres, nous organisons des plateformes par région où nous regroupons 10 à 15 responsables des risques opérationnels pour traiter l'ensemble des questions et des sujets risques opérationnels. Et ces petits groupes permettent à chacun de s'exprimer, de remonter des sujets dans un contexte convivial. Cela permet aussi de mieux se connaître et de faciliter les échanges a posteriori. On a l'habitude de dire les risques opérationnels, c'est l'affaire de tous. Donc pour moi, rejoindre la direction des risques du groupe BPCE, c'est aborder une grande variété de sujets et d'interlocuteurs, tout ça dans un contexte en évolution permanente.